Salut, salut gang! On est mercredi, 7h30. J'espère que vous n'êtes pas couchés. Vous pouvez aller vous coucher après le live seulement. Mais écoute, ce sera peut-être pas si long que ça. Je vous laisse le temps de vous connecter, de voir s'il y a des gens, de me dire un beau coucou. Je sais que peut-être qu'il y a Aurélie de la France qui va être là. Je sais qu'il y en a une couple qui voulait venir. Donc, je te laisse un peu te connecter avant de faire le tirage. Puis, après ça, on va s'amuser dans un beau hors-journal. J'espère que tu vois mon live. Si t'es là, dis-moi un coucou. Si t'es un peu découragé de la neige, dis-moi-le. Sinon, ben, ça me fait plaisir d'être là pour toi. Je te rappelle que je fais des lives pour le fun parce que je m'ennuie de bricoler avec mes amis. C'est ça. Je vous laisse encore un quelques temps à arriver, puis je vais faire le tirage. Le tirage, dis-moi un beau coucou. Salut Caroline! Ah bon, il y a du monde qui vient de se connecter. Je vous laisse le temps d'arriver. Tu peux, si t'es gêné, c'est pas grave. T'es pas obligé de me dire coucou. Ici, vous avez le prix qui était à faire tirer suite au dernier live. Salut Nathalie! Donc, c'est ça, c'est super facile, hein? Après le live, dans le fond, je fais une photo du prochain tirage. Vous avez à commenter. Souvent, c'est une question super facile. Salut Nicole! Dans le fond, soit une question sur quand le prochain live, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez. Ça m'aide à faire des choses qui sont là pour vous. Donc voilà, c'était quand même un beau cadeau, tout le kit 12-12 de Sentimental Story, la création que j'avais faite la dernière fois. Deux petits chipboards et des tags qui sont quand même vieux, mais qui sont pas démodés. Là. Donc, faut pas capoter. Donc, sans plus attendre, pour que je puisse commencer le live, je vais faire le tirage. Vous étiez beaucoup à commenter. J'ai déjà mis tous vos noms là-dedans. Et je vais faire tirer ce merveilleux prix. La personne qui va le gagner, on va trouver une entente ensemble. Comment je vais te livrer ça ou t'envoyer ça? Ça dépend, tu es où. T'as-tu le goût de gagner? Tu peux dire moi. Qui a le goût de le gagner et qui a participé, là? Il y en a des fois qui oublient d'aller commenter. Peut-être qu'ils ont oublié, en tout cas. Et c'est parti! Qui sera le ou la gagnante? Je suis encore poignée avec mon là. Il n'y en a pas de gars. Diane Bolduc! Bravo! Parce que Diane, madame, salut Nathalie, a dit qu'elle gagne jamais. Ben là, elle a gagné. Fait que bravo! Diane, je vais communiquer avec toi. Salut Joanne! Caroline, désolée, je l'ai vu après. Bravo, bravo, bravo! Puis n'hésitez pas à continuer à faire. À commenter parce que c'est super facile à gagner. Alors, sans plus attendre, je vais commencer ma page de hors journal. Lala! Super! Est-ce qu'il y en a? Ouais, je l'ai dit au début, mais il y a moins de monde. Est-ce qu'il y en a qui sont découragés de la neige qu'on a eue aujourd'hui? Je sais pas, hein? Je sais pas. Je te présente ça, c'est un hors-journal que ça faisait longtemps. Diane, tu viens d'arriver, t'as manqué le punch. Salut Diane! Écoute, attends un peu, vu que Diane vient d'arriver, je vais lui montrer, puis après ça, je vais partir en part comme je suis si capable. Ben, coudonc. Ah, j'ai remis le nom dedans. Diane, c'est toi qui as gagné. J'ai remis le nom dans mon bac. Oups! Félicitations, Madame Diane Bolduc, qui ne gagne jamais. Tu as gagné ce merveilleux kit. Je vais communiquer avec toi après. Oui, moi aussi, j'étais très découragée. Ce matin, je travaillais, puis avec les filles, je travaillais dans un foyer de groupe, c'est des petites filles. Puis, on pouvait pas sortir les vélos, fait qu'ils étaient un peu découragés, mais après ça, on l'a sorti. C'était magnifique, mais en attendant, on est allé marcher. Au moins, ça fait du bien de sortir. Oui! Super, Diane, hein, qui voulait gagner. Donc, je te présente ça. C'est un ancien hors-journal que j'ai pas terminé parce que souvent, ça m'arrive de pas terminer mes affaires. Êtes-vous de même, vous autres? Moi, je suis. Donc, c'est souvent des créations, des doubles pages que je fais où là, c'était des simples pages. Mais souvent, je vais vous montrer mon truc, comment j'ai fait pour faire des doubles pages qui fit. Là,
J'avais pas le goût de continuer à la suite. Fait que je vous l'avais mis en paquet. Je vais faire celle-ci. Donc, oh, Seigneur, ouvre les deux anneaux, ça va bien aller. Ça va bien aller. Là, mes chiens sont moins en train de se battre, mais ils se battaient tantôt en arrière. Ils s'amusent, hein, mais c'est un son qui est gossant. Je suis désolée. Voilà. Ça m'arrive souvent, Joanne, de pas terminer tes affaires. Ouais, moi aussi. Souvent. Bon, voilà. Alors, j'ai tout enlevé du hors journal parce que je veux travailler mon double page. Et là, aujourd'hui, on va mixer. Ça, c'est une page de Canva. J'essaie de voir si je l'ai. Attendez. Je vais vous montrer ça vient de où, ce hors journal-là. J'ai pas pensé vous montrer ça, mais c'est quand même quelque chose de plus vieux, mais que j'avais. C'est des mix média albums. Il y en a peut-être à des places où... dans le fond, c'est des papiers... Canva, dans le fond, que j'ai ajouté, qui se vendent comme ça. Puis, j'avais pris un mix média album, là, qui... mais c'est pas celui-là, c'est un autre. Je m'étais fait un hors-journal avec ça. Souvent, là, ça, il en reste encore des fois dans certaines boutiques. Quand je pense, il me semble, Rabot de Tendance en avait avant, mais là, je sais plus si elle en a encore. Sinon, je peux regarder après le live si tu serais intéressé à avoir un journal comme ça. Dis-moi là, puis je peux vérifier, moi, si je suis capable d'en avoir. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est... là, on va mixer les deux. Ça, c'est un papier Canva. Puis ça, c'est un papier normal. Là. Voilà. Salut, Audrey! Donc, c'est ça. Fait que moi, pour mixer les deux, je vais m'amuser à les coller. Puis m'amuser avec des tapes. Vous savez, celles qui me connaissent un peu, ben j'aime ça m'amuser avec des tapes pour mixer les deux. Les affaires comme ça. Je vais en mettre moins de ce côté-là parce que je veux jouer avec le fond Canva. Je vais en mettre pareil, mais un peu moins. Je vais juste aller chercher. Il me manque un autre tape. Ça m'arrive, hein, des fois d'être perdu. Puis, je vais sûrement mettre celui-là aussi. Fait que c'est une bonne façon de... Salut Mélissa! Salut Aurélie! Salut Lynn! Salut Marjolaine! Je sais qu'il y avait un autre live en même temps, là. Je suis désolée. J'ai pas regardé partout tout ce qui se faisait dans les lives. Donc, si vous êtes là, super. Sinon, mais vous pouvez toujours le regarder en rediffusion. Soit ici ou soit... je le mets sur mon compte YouTube aussi. Fait que... Hey, sérieux, mon chien, peut-tu être plus tannant? J'espère qu'elle va se calmer. Je voulais commencer avec celle-là. Donc, souvent, là, celles qui me connaissent, moi, je m'amuse avec des tapes. Puis là, je vais venir les coller. Là, ce que je me suis rendu compte, c'est que je les ai pas mis égales. Égales. Mélissa, comment tu vas dans le confinement? Il me semble que ça fait longtemps que j'ai eu de tes nouvelles. Toi qui changes souvent de travail, dis-nous ça. Dis-nous ça, on est tous à ton écoute. raconte-nous ça. Moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, avant les lives, je retournais au boulot. Je cherche mes ciseaux. Écoutez, je suis revenue au boulot. Je suis en feu comme jamais. Mes collègues, ils sont déjà tannés parce que j'ai beaucoup trop d'énergie. Mais c'est ça. Ça fait partie de moi. Je prends pas trop de café, par exemple, pour essayer d'aider la population de mon travail parce que les filles vont me dire comme toi. Salut Nathalie! Nathalie, t'as pas gagné. Fait que t'as rien manqué. Puis on commence avec deux pages. Ça va bien. T'es quasiment à l'heure, Nathalie. ouais, c'est ça. Fait que d'habitude, à mon travail, c'est les enfants hein, qui me disent de me calmer. Ben, ils ont déjà commencé. Fait que c'est pas si pire. Ça, on va y arriver. Quoi de mieux qu'une éducatrice hyperactive pour aider les éducateurs, les enfants tannants, hein? C'est-tu pas plaisant? Bon, voilà, là, je fais comme un petit fond. Je m'amuse avec des tapes. Là, à date, j'ai pris du tape à joint.
J'ai pris du masking tape comme ça que j'ai coupé. Souvent, je vais venir faire une texture. Ça, c'est du tape à pansement là, de chez Dollarama que j'adore. Puis, souvent, j'ai fait un petit déchirage. Je me suis rendu compte aussi en regardant par la suite mon live que des fois, il y a des commentaires que je ne vois pas passer, même si je suis debout à vous répondre. Il y en a que je vois pas, puis par la suite, mais c'est plus compliqué parce qu'on les voit moins. Donc, je suis vraiment désolée. Salut Amélie! Si je te réponds pas, si je le vois pas, tu peux reposer et gêne-toi pas. C'est peut-être que sur le moment, des fois, Facebook, ça bug, hein? Mais sur le moment, je l'ai pas vu. Fait que ça fait cette partie-là. Je suis une pro du confinement. On relaxe, on fait du scrap et du ménage. Oh, Seigneur. Mais tu sais, c'est le fun, là. Mon chum, il a fait le ménage toute la journée, je pense, aujourd'hui. Lui aussi, le confinement, il est à bout, je pense, d'être ici. Un jour, il va recommencer à travailler. Mais si vous aimez ça, faire le ménage, c'est correct. Moi, c'est pas ma force. J'ai plein de force, là. Mais pour être honnête, le ménage, c'est pas ce que j'aime le plus. Qui adore faire le ménage ici, dans tous ceux qui écoutent? Je suis curieuse, hein? Salut Stéphanie! Ça se peut, là, que t'aimes ça, sois pas gênée, là. C'est correct. Tout le monde peut aimer le ménage. Tout le monde peut aimer ça, mais moi, j'aime pas ça. Arc, Nathalie. OK, bon, Nathalie, c'est correct, t'es ma coloc de chambre. On a le droit de pas aimer le ménage. moi non plus, je ne pas ménage. Là, je vais me taper ça. Sur le côté, comme ça. Un, ça va tenir, puis deux, je vais pouvoir faire de la texture. C'est pas ta tasse de thé. Hey, j'aime bien mieux boire du thé que faire du ménage. On s'entend. Salut Bibiane. Moi, bien honnêtement, le thé, c'est bien meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je fais un peu du n'importe quoi, mais c'est ce qui fait beau d'habitude. Mais bon. Peut-être que je l'ai mis trop proche de ça. Il y en a-tu beaucoup qui font du hors journal? De la popote aussi. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. La popote, moi, j'embarque. Là, je suis gâtée ces temps-ci. Mon amoureux, il m'en fait souvent. Puis depuis lundi, ben je vous l'avais dit, hein, je fais plus attention à mon alimentation. Fait que là, je mange mieux. Ouais. Ah, alors, moi, oui, mais je n'aime pas repasser et ranger le linge. Oh boy, repasser. Moi, non, ça sera frippé, plein de poils. Ça me dérange pas. Ouais, le résultat d'un beau ménage, hein, quand ça sent bon, là, c'est vraiment extraordinaire. Mais moi, je suis gâtée. Malheureusement, présentement, je suis moins gâtée, mais je me paye une femme de ménage, moi. Fait que dans ce temps-là, ça va bien. Ça, je vais en refaire un petit bout de tape. Puis, voilà. Mais repasser, là, c'est sûr que si vous portez du linge de bureau, vous devez repasser un peu plus. Moi, éducatrice spécialisée ou massothérapeute, ben, pas besoin de repasser. L'important, c'est que ça soit quand même mettable. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui mettent... Oui, ma question avant, là, le ménage, là, après le ménage, c'était est-ce que vous faites du hors-journal, celles qui écoutent? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commenté hors-journal. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas du tout, puis t'es juste curieuse de voir comment je vais le faire parce que t'en fais pas? Oui, une femme de ménage, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait.
Puis moi, je suis gâtée parce que, tu sais, je l'appelle femme de ménage, mais c'est maman. C'est maman. Je la paye, mais j'ai le bonheur que ça soit quelqu'un que je connaisse. Hein, mon chien me gosse solide. Oui, à l'occasion, Diane, ben ça donne bien. Ça donne bien. C'est au bon live. Là, j'étais encore dans les tapes. Je sais pas si je vais en mettre jusqu'à minuit, mais bon, vous êtes encore là. Ben non, je mettrai pas ça jusqu'à minuit, certain. J'ai commencé, mais j'ai beaucoup de pages à... J'ai pas beaucoup de pages de fête. Ouais, des fois, c'est plus stressant de commencer du hors-journal parce qu'on sait pas par où commencer. Mais le hors-journal, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quelque chose de très libérateur. Puis que c'est quelque chose, ben encore une fois, que moi, je réfléchis pas. Vous voyez la date, j'ai réfléchi à mettre des tapes. C'est le gros stress. Ça, c'est un tape que je prends, encore une fois aussi, chez Dollarama. Des fois, il y en a de couleur, des fois non. C'est comme du tape tissu qui s'étire, qui se défait. Il est autocollant, mais pas vraiment. Moi, je vais le coller avec de la colle. Ça commence, mais je suis curieuse de savoir ce que tu vas faire. Les deux. J'ai commencé. Les deux, t'en fais ou t'en fais pas? Réponds-moi. Là, j'espère, Aurélie, la dernière fois, ça buguait. J'espère que ça ne buggera pas. Encore une fois, je fais la même chose, mais des fois, ça fait pas mon résultat que j'aime. J'aime beaucoup déchirer comme je faisais avec la dentelle la dernière fois. Ben, je fais la même chose avec celui-là. Ah ouais, c'est ça, faut pas penser. Mais c'est dur, hein, de mettre son cerveau à off. Mais c'est une affaire qui est très, très, très bénéfique. Là, comme je disais, c'est pas un tape qui colle. Puis ma colle est comme pas le fun. Je vais aller en chercher un autre. Je vous l'ai dit, hein, que Fabrica ont changé. Ah, oh, elle est curieuse, elle en fait. Merci, Nathalie. Ah, bon, ça me prend une traductrice d'une personne qui va continuer à m'éclairer dans le fil conducteur de mes questions incroyables. Oui, dans le fond, mon tape, là, il colle pas. Fait que là, je vais venir prendre une petite colle. J'aurais pu prendre n'importe quelle colle. Là, c'est cette colle-là que je vais prendre. Je vais la tenir un petit peu, puis je vais l'étirer. Mais regarde, tu vois, elle avait bien compris, Nathalie. C'est ma traductrice. Salut, Joanne! En fait, c'est juste que j'ai beaucoup trop de... Tu sais, mon cerveau, là, il fonctionne avec plein de portes qui s'ouvrent tout le temps, puis que j'ai oublié de fermer. Fait que c'est ça. Fait que je pose 10 000 questions, puis wouh! Vous avez juste à regarder mes lives personnels, là, je passe du coq à l'âne incroyablement. Là, vous voyez que j'en mets dans le milieu, hein, puis ça me stresse pas parce que je vais couper ça à la fin. Ça va être juste parfait. Ça va être parfait. Ah, il y a un décalage! Ah, pour la traduction. Ah, oh, ben là, écoute, hein, c'est ça. Tu voulais traduire? En fait, tu voulais pas, je t'ai demandé de traduire. Mais oui, il y a peut-être un petit décalage. Ouais. Bon, après ça, après l'étape des tapes qui dure 10 ans, on va faire l'étape de la pâte à texturer. Je vous ai dit de prendre un stencil. Salut, Audrey-Anne! Ouais, un stencil de votre choix, mais vous pouvez prendre le stencil de votre choix. Puis, vous amusez. Je vais laisser mes colles de côté. Ouais, je voulais utiliser ça, mais je pense que je vais prendre le stencil avant. C'est un vieux lettrage aussi, hein, mais on attend. J'avais ce stencil-là. Il me semble que j'en avais un autre. Je vais vous trouver l'autre stencil que j'avais. Donc, c'est trouvé. C'était pas lui, mais bon. Salut, Lauriane!
Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est des personnes qui bricolent pas. Peut-être que je vais leur donner la piqûre de bricoler ou de m'écouter parce qu'ils s'ennuient. Brianne, ça doit être parce qu'elle s'ennuie de travailler avec moi. Donc, je suis rendue au stencil. Le stencil, je vais le prendre avec de la pâte à texturer blanche ce coup-ci. Ben, straight, vous pourriez prendre celui que vous voulez. Du hors-journal, ça se fait dans un hors-journal. T'as plus, je vais aller en chercher un qui est le fun. Mais moi, je le fais aussi dans n'importe quel journal. Fait que tu pourrais prendre n'importe quel carton et te le fabriquer. Il y en a qui le font comme ça. Tu sais, ça n'est un hors-journal. Mais tu sais, moi, c'est dur là, de pas faire de la texture puis de pas faire des choses. Fait que j'aime bien prendre des pages, mettre de la texture. Puis mon cahier devient épais. Pas forcément. Voilà. J'en ai aussi même, tu sais, de ceux qui savent de me donner, là, j'en ai même déjà fabriqué que je vendais à des gens ou à l'intérieur. Là, je sais pas si ça ressemble à quoi à l'intérieur, par exemple. C'est peut-être pas beau. Puis à l'intérieur, il y avait des signatures comme Donna Donny faisait. Puis, hey boy, c'est d'un premier, là. J'étais allée dans les couleurs. Fait qu'on peut même s'en fabriquer des hors-journal, là. Ouais, voilà. Fait qu'après, moi, je vais venir le coller. Mais il y a déjà des trous. Fait que ça va être juste parfait. Bon, donc l'étape, c'est de mettre du stencil. Encore une fois, est-ce que vous pensez que je vais le mettre étalé partout? Ou je vais le mettre partie bout? C'est pas, hein? C'est pas. C'est une question. Faut que j'attende vos réponses avant d'en poser un autre. Avez-vous fini? Ben non, on n'a pas fini. Fini quoi? Salut Isabelle, on vient de commencer. Écoute, hein, on vient de commencer. T'es pas couché, là. Il est quelle heure? Bon, donc, pensez-vous que je vais en mettre partout? Non. OK, non, je pensais la réponse. Non. Non, ben non, j'en mettrai pas partout. Je vais m'amuser à venir créer de la texture. Je vais en mettre moins de ce côté-là parce que de ce côté-là, il y a déjà de la texture aquarellable qu'on va venir jouer. Donc, je vais en mettre un peu, mais moins que de l'autre côté. Par petits bouts, ben oui, vous commencez à me connaître. Hein? Un jour. Un jour. Fait que là, à date, la semaine prochaine, je semble pas autant travailler. En fin de semaine, je travaille. Puis, je travaille donc les lives, soit que je le fais samedi matin ou soit que j'en fais un demain soir. Ça dépend de ce que tu as envie. Puis, sinon, ben, la semaine prochaine, je travaille un peu moins dans le soir. Donc, je pourrais te faire des lives. Qu'est-ce que tu préférais? Un demain, un samedi, les deux ou la semaine prochaine parce qu'en fin de semaine, tu veux profiter de ta famille puis de ton confinement que tu profites peut-être depuis le début des vacances. Ben, pas des vacances. Je vais porter mon stencil puis je te laisse répondre. Est-ce que t'aimes mieux jeudi, demain soir? Est-ce que t'aimes mieux demain après-midi? Est-ce que t'aimes mieux samedi midi? Est-ce que t'aimes mieux juste la semaine prochaine? Je te laisse y répondre. T'as le temps. Je vais passer un petit séchage pendant ce temps-là. Donc, comme je disais, j'en mets moins un peu, mais je n'ai mis pareil. La semaine prochaine pour toi, demain soir et la semaine prochaine. La semaine prochaine pour Caroline. Ça se peut, hein, que vous trouviez qu'il y a beaucoup de live aussi sur Internet parce que la plupart des compagnies le fait. Les compagnies, les boutiques, les DT en font quand même pas mal. Ça se peut que tu sois tannée d'en voir. T'es peut-être tannée d'entendre ma voix aussi. Ou mes chiens en arrière. Salut Louise! Mais bon, dis-moi ce que t'aimerais. De toute manière, je vais vous faire répondre pareil, mais je vous pose la question pour aujourd'hui. Donc, voilà ça. Ça, c'était plus bon. Voici le prochain stencil. Salut Sarah! C'est pas le même style.
Mais en même temps, je voulais comme faire un mix des deux. Mais je sais pas si ça va faire beau pareil. Oh, moi, tu regardes juste toi, mais tu me vois pas à face. Non, c'est pas vrai. Ah, mais pour vrai, il y en a vraiment des beaux, là, des lives, là. J'en ai écouté une coupe. Il y en a même sur YouTube. Il y a Finabar qui en fait une coupe. Bon, je vais aller là pour commencer, voir qu'est-ce que ça dit. Mais pour pas me scraper ça, on va me mettre un petit tape. Ah, mais c'est fin, ça! Oui, c'est sûr que ça dort à cette heure-là. Dans ce temps-là, c'est intéressant. Ouais, j'ai mis un petit tape parce que il est pas très... comment je pourrais dire? Il est pas très épais. Donc, je veux pas manquer mon coup. Puis, je voulais en mettre comme un petit filon ligné. Je vais voir comment je file. C'est sûr que demain, j'ai une réunion, mais... Salut, Sylvie! Salut, Zach! Écoute, Zach, super, super planète. Une machine de la science. Quand le cœur t'en dit, mon cœur, il veut bricoler ces temps-ci, mais je me dis que des fois, vous voulez peut-être pas tout le temps des lives. Tu sais, c'est sûr qu'on peut l'écouter quand qu'on veut. Il y en a qui remettent ça sur leur TV. Bonne, une chance, c'est pas ma face. Je serais comme découragée. Puis, je vais voir là, comment le feeling est. Voilà juste un peu de texture. C'est prêt. Je vais porter mon stencil. Je reviens. Le tirage que j'ai manqué, c'est le super livre. Non, le livre, en fait, je l'ai fait tirer sur mon compte personnel. Nathalie. Puis, voyons, le tirage ici, ben, c'est Diane Bolduc qui l'a gagné, dans le fond. Donc, c'est ça. T'as manqué les deux. T'as pas gagné. Le livre, ça va me faire plaisir de te le prêter. On s'en parlera en privé parce qu'il est excellent. En fait, puis le livre, c'est Sabrina Turpin qui bricole, si vous connaissez, et Sophie Bilodeau, une fille de mon école, une collègue. Donc, désolée. Je fais tirer une coupe de patente, hein. C'est sûr qu'avant, des fois, je fais même tirer des massages. En ce moment, je veux pas vraiment faire tirer des massages. C'est un petit peu plate pour les gens qui aimerait se faire masser, puis que malheureusement, on est tous fermés, les massothérapeutes, donc je veux pas vous faire suivre. Donc, on va s'amuser. Je me suis sorti une coupe de tag. Hey, sérieux, mon chien, je sais pas ce que mon chien me fait, il pourrait s'en occuper. Mais bon, à ta peu. Fred? Oui? Est-ce que tu peux essayer qu'il jappe moins? Merci. Fait dire que c'est dur, l'avez-vous entendu? Mais bon, ouais, je vais m'amuser à mettre des tags avant de mettre de la couleur. Puis après ça, on va s'amuser avec les amis gelato que les gens aiment pas tant. Y en a-tu qui aiment les gelato ici ou les gelato, c'est ça? Ou sinon, mais j'ai dit voyons, pastel à l'huile soluble. Que moi, j'adore. On va aller s'amuser avec ça un peu après. Pour mettre de la couleur. Donc, ouais, quand je chantonne et je fais des bruits, là, vous êtes dans le trouble. Salut, Stéphanie! Ah, peut-être que mes chiens ils m'ont écouté, ils ont arrêté. Qu'est-ce que je pourrais... Je veux juste mettre des lettres par rapport. Fait que je pourrais mettre n'importe quoi dans le fond. Je m'entrais bien après le confinement pour finalement essayer le traitement aux ventouses. Oh! Super! Ouais, c'est hors sujet, mais c'est correct. Est-ce qu'après ça, je vais poser la question. Je connais pas les gelatos. Je les aime, mais je m'en sers pas beaucoup ces temps-ci. Salut, Joël! En fait, les gelatos, vous allez voir, moi, j'aime beaucoup m'amuser avec en hors journal.
Puis pour ce qui est de Nathalie, je sais pas, je suis curieuse, qui ici connaît les traitements de ventouse en massothérapie? Est-ce qu'il y en a? Des fois, c'est les... voyons, j'ai cherché jamais mes mots à ça. C'est ça, retourne au travail, je suis un petit peu mêlée. Ouais, des fois, c'est les acupuncteurs qui l'utilisent. Les ventouses. Qui sait c'est quoi? Salut Sylvie! Dis-moi si tu sais c'est quoi. Oh, dis-moi, je t'ai rendu quasiment à chanter. Fait que c'est ça. Tu les utilises en physio? Super, ouais. Il y a des physiothérapeutes qui les utilisent. Ou tu fais de la physiothérapie? Ben non, je sais, t'es pas physiothérapeute. À moins que t'aies changé de carrière, là, je suis curieuse. C'est quoi des ventouses? En fait, ce sont... Hey, t'as pas ma traductrice, ça pourrait vous répondre. en physiothérapie, souvent, salut Vicky! C'est quoi, je voulais dire, des ventouses, ce sont des... soit par en verre ou en silicone, c'est un principe de vasculothérapie qui vient faire une suction. Et en faisant une suction sur votre peau, ça vient décoller les fascias de vos muscles. Ça vient enlever des tensions plus rapidement que si on prend nos pouces dans le fond. Salut Julie! Ouais, c'est ça. Bon, alors Joël me rassure, elle n'est pas physiothérapeute, elle est restée, je sais pas si je peux le dire, psychologue, parce qu'elle est excellente là-dedans, fait que je suis un petit peu inquiète. Ça va, mon inquiétude est terminée. Donc, voilà, fait que c'est ça de la ventouse. C'est ça. Bon. Vous vous rappelez que Mlle Cindy, elle aime les tags. Ça, c'est des tags de Prima. Et ça, ce sont de Pink Paisley. Paisley. Ouais, j'ai peut-être magané. Ah, je sais c'est quoi. Oui, puis la ventouse, ben c'est le truc, le change de truc. C'est le seul truc que mon chum peut me faire en ce moment. Parce que ça se fait quand même bien, puis je peux le diriger. Fait que moi, j'ai des traitements de ventouse. Parce que sinon, des fois, c'est plus dur de donner une technique à quelqu'un qui n'est pas massothérapeute. En tout cas, c'est peut-être moi, là, qui est difficile. Bon, voilà. Alors, un petit peu de tag que je veux ajouter. Salut, Lorraine! Oui, Vicky, t'aimes ça, toi, les ventouses? Fiu! Fiu! En fait, là, souvent, les gens en ventouse, ils ont peur que ça fasse mal parce que ça fait comme des gros ronds de suction. Mais quand on a un bienfait de... Quand on a les bienfaits par la suite, on n'a plus peur vraiment. Donc, c'est ça. C'est des vieux tags. Ils sont paintable. Fait que je pourrais les peinturer, mais sûrement que je vais m'amuser avec la couleur aussi. Par contre, ils sont comme noirs. J'aime moins ça. Qui utilise des tags un peu partout? Ici, à part moi, là. Dites-moi pas moi, je le sais. Je le sais. Vas-tu faire ton signet? Oui. Pas aujourd'hui, par exemple, mais oui. Je pourrais faire un signet. J'ai hâte que, Nathalie, tu reçois les livres parce que c'est vraiment... Connaissez-vous? Ben, qui lit dans la salle, là, avant? Qui lit dans la salle? Puis, connaissez-vous? JN Édition, c'est Julie Normandin Édition avec elle est avec Martine Carignan. C'est des livres vraiment excellents. Souvent, c'est des livres qui font réfléchir ou des fois avec une histoire. Là. C'est pas tout le temps. Tiens, Paris, oui! Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas tout le temps des livres de ressourcement, là, mais bon. Donc, pour le reste, je vais coller ça. Un peu partout pour aller me faire encore une fois une texture que j'aime bien. J'ai décidé de ne pas prendre des die-cut, puis je me suis dit, ils vont dire que je prends juste ça, des die-cut. Oui, Julie, Ali, salut Jimmy, ça fait longtemps. Ça va pas tout le temps, mais j'aime bien. Oui, c'est vrai. Je ne lis pas vraiment, moi je lis. C'est soit on lit ou soit on lit pas hein, dans la vie, puis... C'est sans, voyons, qu'est-ce que je voulais dire?
c'est sans rancune, là. C'est pas méchamment que je dis ça. C'est plus que il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'adore lire. Mais je lis pas tout le temps. Mais des fois, j'aime ça. La première, c'est oui, j'aime les tags. Et oui, j'aime bien, mais j'aime. Non, mais pas souvent. C'est bon, ça. Vous devriez me répondre la question. Ça irait plus vite. Moi, mais en anglais, non, j'avoue que les éditions québécoises, c'est moins bien. Mais ça fait du bien. Oui, lire, ça fait du bien. Oui. Ça dépend ce qu'on lit. Des fois, il y a des livres qui nous shake, puis on n'est pas. Tu sais, on est shake à ta peu. C'est vrai, t'es française. Qui nous secoue, donc on n'est pas tout le temps bien avec ce qu'on lit. Mais des fois, ça va très bien. Viens, coller ça. Salut, les instructions. Je lis pas, sauf les instructions. Hey boy! Moi, j'aime lire, mais pas c'est par bourré. Je pense que je suis comme toi, Nathalie. Des fois, je lis au bout, des fois, je lis plus. Fait que ça peut porter à confusion. Bon, est-ce que... Pensez-vous que je vais mettre de la petite cordelette? Je pense que oui. Mais pas la même que d'habitude. Ah oh oui, les histoires vraies. Oui, mais c'est un bon somnifère, hein, dormir. C'est déjà très beau ce que tu fais. Ah, oh, merci, Julie, mais écoute, il faut mettre de la couleur là-dedans. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va y mettre un petit tag. On va y rajouter quelque chose. Puis après ça, ça va être de la couleur. Mais ça se peut, je gâche tout. Là, hors journal, je suis capable, hein? En fait, je suis capable de gâcher tout très, très rapidement. Fait que bonne chance. Donc. J'ai comme un goût de mettre celle-là. Hein? Non. Non. Je parle pas toute seule. Je parle avec vous, mais je me parle. J'essaie de voir qu'est-ce qui fitrait pour faire mettre le pari. Ah, peut-être ça. Ouais. Ça. Des tags, là, ça se passe vraiment bien. Pour embellir nos trucs. Ou pas. oh, du rose! Non! Oh, mon déficit de sang, oui. Ouais, mais moi, je trouve que je suis lente à soir, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du journal. Oui, moi aussi, je suis comme Nathalie. J'ai un petit... Je relis. Je relis souvent, mais... mes pages. Des fois, je m'endors. Puis là, je me dis, oups. Des fois, je m'endors, puis on dirait que j'invente des bouts de l'histoire. Fait que là, je suis obligée de relire 5 pages. Oh, pas facile. Mais bon. Vermand, ben il y a un petit peu de vert et turquoise. C'est sûr que j'aime moins travailler les gélatos turquoise. Fait que c'est sûr que je vais peut-être y aller dans le vert. Voilà. Il y en a qui mettent des photos dans leur journal, il y en a qui mettent des titres, il y en a qui mettent des paroles, il y en a qui vont utiliser leur imagination. Ça va dépendre du gré du moment. Au cas où, la France a encore un mois. Oh my God! Tu sais, nous, ça vient de commencer, hein, fait que ça se peut que ça soit autant de temps. On l'espère pas, mais ça se pourrait très bien. Je vais juste ressécher un petit peu pour être sûre, parce que là, on va s'amuser. Pour ce qui est de faire des... Je pense que je vais mixer les deux.
gelato et huile. J'aime du brun chocolat, vert bouteille et du rose gomme balloon. Ouais, rose, moi là, je l'ai expliqué, hein, je suis comme croton. Fait qu'on dirait que rose, c'est tout, je vais mettre rose, tout rose, mais je vais moins, mais ça n'est pas tout le temps. Là, je vais y aller, je sens que j'ai le goût de m'amuser avec, vous allez dire, hey, elle sort le blanc, mais... Ouais. Là, je vais avec des couleurs claires parce que je trippe moins sur leurs couleurs. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de couleurs qui ressemblent à ce vert-là. Fait que là, on va aller dans l'autre compagnie. Ouais, nous, événement, c'est terminé. Salut Nadia, salut Nathalie. Ouais, nous, ils ont... Tous les festivals, événements, tout ça, ils ont fermé ça. Donc, on n'a pas le choix de rester. Mais on ne sait pas quand tout va comme repartir. D'après moi, ça va être plus long qu'on pense. Là. Donc, voilà. Je voulais aller chercher mes couleurs. Encore une fois, il y a peut-être le yellow green qui serait intéressant, qui y ressemble. Regardez comment la couleur ne ressemble pas. Puis, CAD... Celui-là, on va aller s'amuser, puis on va y remettre un petit light blue. Peut-être que ça ne fitera pas, peut-être que ça va fitter. Les gelatos, ça serait une surface tout plein de... Voyons, de gesso, là, je viendrai les travailler autrement. Mais ici, c'est comme une surface qui... Je vais y arriver, c'est un canevas, donc je vais venir mettre l'eau avant. Mais ici, je vais venir mettre un petit peu de gesso transparent pour venir jouer. Médium acrylique ou tout ça, jusqu'au 30 août. Et ben, si tu as, moi, j'aurais mis vert marron, mais ça va fitter. J'ai mis du vert un peu. Ça va bien aller. Donc, c'est ça. Je vais juste venir pour ce qui est du papier. Je vais venir y mettre un peu de gesso. Mais pas partout. Parce que je veux venir jouer un peu avec les couleurs. Puis, je veux qu'il y ait une différence de texture pour commencer à me connaître. Je n'ai pas mis partout parce que lui, il est peinturable. Fait qu'on... Je ne veux pas... Il y en est égal partout. Puis je veux que ça joue. Ici, j'en mets pas. Je peux peut-être en mettre sur le papier. Puis là, tu sais, on a plusieurs textures. Ça va être le fun. Oh, j'essaie de... Oh, salut Nathalie, à la prochaine. Ma traductrice est partie. On va être tranquille. donc voilà, je vais faire sécher un petit peu. Donc, ce que je disais, les gelatos, il y en a qui vont directement sur la page où moi, j'aime mieux jouer avec de l'eau avant, puis l'ajouter. Donc, c'est quand même plaisant. En passant, pour toutes celles qui ont pris des commandes de Fabrica Décoru, je vais commander lundi. Donc, je continue à prendre des commandes là, pour les filles qui ne se sont pas décidées. Puis, si c'est pas là parce que tu as moins de sous, inquiète-toi pas, je commande souvent. Fait que tu vas pouvoir recommander à nos frères. Mais sinon, la commande part lundi. Ouais. Je vais me trouver d'autres choses, mais bon, peut-être que je vais m'amuser. Alors là, je vais venir lui mettre de l'eau. Un peu comme l'autre fois quand je travaillais mes aquarelles. Ben, je vais venir. Y ajouter de la couleur. Et là, moi, c'est sûr que je suis madame. J'utilise mes doigts. Ça me dérange pas de me beurrer. Salut, Sophie! Ouais, ça me dérange pas de me beurrer. Fait que là, je veux m'amuser où j'ai mis de l'eau. Pour appuyer. Il y a déjà un effet résiste qui est là. Fait que c'est sûr qu'il faut que... J'aille vite parce que ça boit quand même assez vite l'eau.
Là, je voulais juste venir voir comment ça allait travailler. On pourrait simplement en mettre sur notre doigt aussi, au lieu de le mettre directement dessus. Mais j'aime bien mettre de l'eau au préalable parce que sinon, ça se travaille moins bien. Si vous avez des questions, allez-y. Je passe un petit moment à aller regarder. Sinon, si je ne vous réponds pas, vous pouvez la répéter. Donc, ici aussi, je vais aller jouer dans mes textures. Je vais à pleine place, mais je vais proche de mes éléments. C'est souvent un de mes trucs. Quand on est trop pêle-mêle un peu partout, je trouve que ça perd de sa beauté. Je me dérange pas de me beurrer. Ouais, c'est vrai. J'oublie tout le temps que Mlle Aurélie est française. Ouais, c'est beurré. Nous, ici au Québec, on dit se beurrer les mains. Si Julie, mais que Julie écoute, elle va trouver ça le fun. Je travaille avec du brun. C'est quelqu'un qui adore le brun. Elle s'appelle Miss Brun. Bon, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Juste le fait d'avoir ajouté un peu de brun vient faire mes ombrages. Je sais un peu où je veux venir jouer. Celle-là qui voulait savoir comment on travaille les wax, là, on aurait pu travailler les wax aussi là-dessus. Là, j'avais le goût d'utiliser des trucs. J'aime ça faire changement. Si je vous fais tout le temps des lives avec les mêmes produits, vous allez trouver que je suis redondante. Puis comme j'ai une quantité phénoménale de produits, ben ça me fait plaisir de vous les montrer. Oui, ça s'en vient un jour. Un jour. Un jour. Je vais y aller aussi. Là, j'utilise vraiment mes couleurs plus foncées pour faire mes ombrages. Puis après ça, je vais rajouter de la couleur. Ça ne me fait pas peur de mettre de l'eau, surtout sur le canevas. Puis ici, j'ai mis du gesso. Fait que il n'y a pas de danger. C'est juste que peut-être que je ne pourrais pas te montrer le produit où ça va être dans le... Voyons, dans le hors journal. Je vais peut-être être obligée de le laisser sécher. Quand je dis là, on en met sur le doigt. Ça, des gelatos, c'est quoi? Les autres crayons, c'est les pastels à l'huile de Prima. Voilà. Que je vais ajouter. Donc, quand je parlais de prendre nos doigts, mais c'est souvent pour aller venir jouer sur le relief qu'on avait fait tout à l'heure. Je dis « on », mais que j'avais fait tout à l'heure. Qui en le fait en même temps que moi? Y en a-tu ou tu fais juste t'amuser à observer puis ça fait bien ton bonheur? Puis le fait d'utiliser les couleurs plus foncées, mais ça me permet de voir mes petits ombrages. Peut-être que je me répète. Me répètes-tu? Des tampons, oui, ça peut arriver. Des fois, je peux prendre, Aurélie, une page blanche, puis la faire au complet là, avec des... Nous, on appelle ça des étampes, si, mais ça dépend tout le temps des moments. Donc, le pastel à l'huile, il se travaille aussi de la même façon. Il est un petit peu plus gras que le gelato. Plus soluble et il est plus pigmenté. Donc, il est plus. Moi, je l'aime bien à travailler. Puis, je vais vous montrer que souvent, des fois, je fais des gouttelettes. Mais là, on va y aller avec lui, qu'on n'est pas trop sûr pour commencer. Vous observez la plupart. Super. Fait qu'encore une fois, j'y vais avec de l'eau.
Quand je disais, là, le, au niveau des gélatos, au niveau des gélatos ou au niveau des poudres, quand on vient travailler, ben c'est pas permanent dans le sens que c'est pas comme de la peinture. Quand ça sèche, vu que c'est soluble à l'eau, si vous renversiez vos trucs dessus, ben ça serait plus... ça peut changer la couleur, là, malheureusement. C'est pour ça que je voulais bien sécher tout à l'heure parce que je veux venir jouer dans ma texture. Puis si je joue, ben puis c'est pas sec ma pâte à texturer, mais ça va tout se gâcher. Je regarde seulement, mon matériel est dans une autre pièce. Oh ben crème! Faut apprendre. Salut Alexandra! Faut apprendre en le faisant aussi. Tu peux venir avec moi le faire. Je t'invite chez nous. Je peux pas. On ne peut pas. Mais quand le confinement va être terminé, vous pouvez venir chez nous quand vous voulez. Si vous n'êtes pas allergique aux chats ni aux chiens. Parce que je vous rappelle que j'ai une chatterie. Et un élevage de chiens. Donc, voilà. Le petit verre, ça serait terminé, mais je voulais vous montrer quelque chose avec mon pinceau. Mais peut-être pas assez. Des fois, je prends le... voyons, le pinceau aquarellable de l'autre fois. On aurait pu y aller de cette façon-là pour faire des gouttelettes. Donc, c'est génial. Gélaton, on peut moins faire ça. Fait qu'on peut même venir faire notre effet aquarelle ici. Oui, pas de problème, Aurélie, tu t'en viens. J'ai de la place en masse. Tu peux même dormir ici. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Donc, voilà. Ceux qui connaissent aussi les... je vais aller chercher les carandaches. Ça peut aussi faire un effet qui se ressemble à ça. Donc, ça peut être plaisant de travailler avec ça. Je vais juste me donner un petit peu de séchage pour voir où j'en suis de ce côté-là. Salut Nadine! Tu peux dormir, bon, partez, il y a de la place chez nous, je vous le dis. Tu peux dormir avec les chats, le garage chez les chats mâles, si tu veux, il y a un bagal, pas même compte. C'est ça, tu as du brun, du vert, te manque une petite... Non, pas de rose! Ça a du turquoise. Ouais, c'est ça. Dans mon garage, ouais, j'ai mes mâles parce que... Malheureusement, ils ne peuvent pas vivre avec nous. Ben, ils peuvent, là, mais en fait, c'est pas vrai. Là, présentement, j'ai juste un mâle parce que j'étais en accouplement. Mais c'est ça, c'est quand on a les deux, ben on peut pas mixer le mâle et la femelle. Alors, j'ai installé dans mon garage un endroit parfait pour eux, pour être bien. Oui, Dexter! Dexter, c'est mon Maine Coon. Vicky, il faut qu'elle sorte pour pas acheter tous les animaux quand elle débarque chez nous. Parce que, un, ça se peut que son chum ne veuille plus qu'elle vienne chez nous un jour. Puis, c'est ça. Mais Dexter, c'est mon Maine Coon mâle extrêmement fin. Que j'adore. Vous voyez que ça se travaille pas pareil, hein, des deux côtés. Ça fait pas le même résultat. Ça fait pas le même résultat. Du genre de... Oh, mais il y a déjà un peu de brun jaune, là. Je pense que vous le savez que le jaune, c'est pas ma couleur. Là, le danger, là, c'est quand on s'amuse, c'est d'en mettre trop. Puis de se laisser trop aller. Mais à date, je suis pas si pire. Voilà. Là, entendez-vous mon chum en arrière, il joue aux jeux vidéo. C'est pas super. Vicky, tu pourras rire de son anglais. Il dit que je suis pas bonne en anglais, mais... pas tant mieux, je pense. Tu sais, celles qui me suivent sur mon compte personnel, là, j'ai gagné un concours hein, avec ma compagnie de produits naturels. Puis, hier, il a fallu que je fasse un live, en fait, avec toutes...
tous les hauts dirigeants de ma compagnie. On était soit 300, 350 à regarder le Zoom, le live, dans le fond. Puis là, je devais parler devant tout le monde. Dans mon hors-journal, c'est toujours assez plat. Dans mon scrapbooking, c'est tout le temps plus élevé. Là, je vais sécher un petit peu. Tu peux. Merci, j'ai pas terminé. Ces crayons-là, ce sont les crayons de Prima. Water soluble. En tout cas, c'est des pastels à l'huile, mais solubles. Qui sont vraiment intéressants. Ils me font penser au gelato, mais ils sont plus le fun à travailler, je trouve. Puis quand je trouve que les gouttelettes se font mieux, ben en fait. Gelato, on pourrait se faire des gouttelettes, on va les faire, mais tantôt, je vais en faire un petit peu, mais c'est pas de la même façon. Je vais en faire des brunes. Là, il me resterait un petit peu de bleu à rajouter. Puis, après ça, sécher bien comme il faut. Ma date, ça va bien, hein? C'est pas trop pire. Ça faisait énormément longtemps que j'avais pas fait de hors-journal. À cause de vous, j'en refais. Toujours de la faute à quelqu'un, hein, mais là, c'est vous. Puis, c'est vraiment trippant. Là, j'ai trop mis d'eau dans ma pâte à texturer, fait que malheureusement, je ne peux pas y aller. Tu sais, comme celle-là, là, la page, il y a du gesso transparent. C'est vraiment intéressant à travailler parce qu'on peut venir. Après ça, on peut rajouter de l'eau, puis ça fait comme l'effet baveux. Puis, ça ne scrape pas ton papier, il ne gondole pas trop, surtout qu'il est épais. Fait que c'est juste parfait. Voilà, j'apprends. Aurélie, ça veut dire je te fais une blague. Je sais pas c'est quoi. Bon, il va falloir que tu m'expliques si ça vaut la peine que j'achète. Ben, ça vaut. M'avez-vous vraiment demandé si ça vaut la peine d'acheter quelque chose? Gang, je suis pas capable de me gérer les achats, fait que ça vaut tout le temps la peine. Toi qui aimes le grunge board, là, regarde comment c'est le fun sur... ça, c'est pas du grunge, c'est du liège, là, mais... Tu as vu comment ça fait beau? Là, on va y faire des petites gouttelettes. Un peu par là. Puis là, après ça, on va venir faire des... on va sécher, puis après ça, moi, je vais m'amuser à faire des gouttelettes brunes avec le gelato. Je vais te montrer comment. Puis avec avec les blanches, parce que je vais essayer de ne pas prendre du gesso blanc. Et m'amuser un peu. Fait que oui, effectivement, ces crayons-là sont extraordinaires. La plupart des boutiques sont encore capables de les avoir. Si tu n'as pas de boutique, tu peux me le demander. Je peux te les commander. Je peux faire ça aussi. Ça va me faire plaisir. C'est pas Fabricom, mais je suis capable de trouver ça. Oui, il est 8h30, ça veut dire. Donc, oui, allez flasher vos lumières. J'ai le temps de sécher. On va faire quelques petites gouttelettes brunes. Hein, puis après ça, on va venir... venir mettre des titres après ça. J'ai une idée de titre. Mon cahier, en fait, Joël, là, c'était un... C'est un petit peu, il est où? C'est moi qui l'a installé avec des anneaux, en fait. Puis l'intérieur, là, c'est... Je vais te le montrer, mais au début du live, je les ai montrés. C'est des vieux papiers Prima. On peut aussi les commander. Tu peux venir en privé, là, ça va me faire plaisir de soit te sortir des prix ou te dire là, les codes pour les commander. Si jamais, parce qu'on est plus loin, puis sinon, mais c'est pas le même, là, mais c'est des papiers mix média. Ils sont vraiment adorables et trippants à travailler. Salut Nancy! Donc, j'ai séché un petit peu, mais vu qu'on... Ah! Oups! J'ai séché et tout garoché à terre. Voici... Ça appartient à Cindy. Bon, voilà, là, moi, je suis sur un tapis d'ordinateur. Fait que je vais le faire ici. Vous allez pouvoir bien le voir. Fait que les gelato, là, moi, ma façon de faire des gouttelettes, c'est de mettre un petit peu, mettre de l'eau et venir m'amuser. C'est sûr que la pigmentation est moins foncée que
l'autre sorte de crayon. Donc, peut-être que des fois, on aime moins travailler pour faire des gouttelettes, mais ça peut faire pareil. Voilà, et je viens d'en faire des autres plus foncés. C'est quoi quand on écoute les autres lives et c'est pas pareil qu'avec toi? C'est qu'on a l'impression, là, je sais pas, je peux lire, que tu nous parles à nous car tu parles à la deuxième personne. C'est vraiment... ça se peut. Savez-vous quoi? Ça se peut que je mélange des temps de verbes. Hein? Moi, dans vie, là, ma force, c'est vraiment pas le français. C'est ça. Fait que ça se peut que on... tu peux bien rire, Miss Live. Donc, je viens refaire des petites gouttelettes ici. Là, je vais peut-être mêler dans mes temps de verbe à cause de Gwen. super. Ah, puis là, ça a l'air que des fois, je ris tout seul, comme je viens de faire là. Écoute, quand je... faut pas trop que je réécoute les lives, hein, parce que je suis traumatisée. Puis avez-vous vu, j'ai pris un petit pinceau parce que je voulais un effet plus... plus petit au niveau des gouttelettes. Je vais aller chercher un produit que ça fait longtemps que j'ai pris puis qui serait beau avant que j'utilise que j'utilise les titres dessus. Je vais vous chercher ça. Ça se peut que vu que ça fait longtemps, ça fasse pas beau, mais bon, on va essayer. C'est loin, hein? Quand ça fait longtemps, c'est loin. Faudrait que je vous montre, Laura. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dégages et ta folie. Ouais. T'es-tu en train de me traiter de folle? non, je fais des blagues. En fait, moi, ce que j'aime utiliser plein de textures, plein de produits, puis les expliquer, les travailler. Donc, c'est peut-être ça qui est le fun. Puis je suis pas en train de me vanter, mais c'est ce que j'aime des lives, fait que c'est ce que je veux faire découvrir. Donc, les résistibles, ça fait vraiment longtemps que je l'ai utilisé, donc ça se peut qu'ils rouvrent même pas. Je vais me prendre un petit élastique. Ah, oh, mais oui, des fois, oui. C'est pour ça que Nathalie a disait ça. Elle dit, on dirait que tu me parles à moi. En fait, en plus, là, je l'ai fait debout, fait que là, je lis vos affaires en même temps. Salut Julie, écoute Julie, juste pour toi, regarde la couleur. Juste pour toi, il y a du brun. J'ai parlé de toi tantôt, Madame Brun. J'ai dit que tu serais contente de voir la création. Wouh! Regardez, j'ai réussi. Je peux en commander. Oui, je peux commencer. Je sais pas pourquoi tu parles. Mais oui, je peux commander des résistibles. Je peux commander tout. C'est juste que je veux pas trop nuire aux autres boutiques. Avec le... Tu aimes ça? Ah, je suis toute mêlée. Ouais, mais irrésistible. Mais regardez, je pense que ma bouteille... Là, je vais faire la folle. Je peux même pas faire de gouttelettes avec. Fait que l'irrésistible, après un certain temps, vont sécher dans le pot. D'accord? J'en ai un autre, je pense. Oui, commander. T'aurais pu me dire order. Je suis rendue bilingue depuis hier. non. Bon, je vais essayer le blanc. S'il est dans le même état, j'en ai des neuf, me semble. Pensez-vous que ça va marcher? Il est vraiment tout jamais dedans. Quand je dis que ça faisait longtemps que j'avais utilisé ce produit, est-ce que vous me croyez maintenant? Ouais, mais non, irrésistible, vu que c'est un produit comme résiste, hein? Je suis même pas sûre qu'elle est jamais dedans. Je vais aller voir si j'ai des bouteilles. Je reviens. Tu sais que je fais comme dans les films, je vais aller dans la cave. Je vais aller voir, sinon, mais c'est pas grave, hein? C'est un produit, on a fait un test, j'en ai plus. Oui, je suis capable d'en commander, mais présentement, les miens sont plus bons. C'est ça que je comprends. Ah, peut-être pas! Je viens de trouver des bouteilles neuves! Wouhou! Ouais,
Bon, j'ai deux bouteilles neuves, ça sera pas le noir, mais je vais vous montrer, on va être capable de prendre du brun. Non, non, il doit être aussi, aussi sec que... Mets de l'eau. Non, 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 elle ne veut pas penser à moi. Non, mets pas de rose. Mais du brun, il y en a assez. Bon, fait que là, ça, c'est du blanc. C'est-tu ça? C'est-tu du blanc? Ben oui. Ça s'appelle robe de mariée. Mais là, je vais juste le shaker un petit peu. Ay, tiens, juste pour vous... Ça, c'est un truc, hein, parce que si vous faites ça comme ça, ben, vous vous pétez les tunnels carpiens. Les... ça, tunnel, ça, là. Donc, quand tu fais ça, mais le pigment descend, puis ça vient mélanger moins difficilement. Oui! Hey, mais pour vrai, là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais utilisé mes irrésistibles, fait que ça... Je vais les checker, moi aussi, tantôt, après tout ça. Ça va être une bonne idée. Fermez bien vos pots, c'est ce que je comprends, mais, tu sais, regardez, là, ça fait quand même le même nombre de temps. Puis... Ça fait vraiment des gouttelettes que moi, j'adore. Mais là, il est plus... il est plus pâteux un petit peu, mais d'habitude, il est plus liquide. Ah, oh, mon chum, il est habitué, il t'a pas idée comment. Mon chum, là, c'est lui qui veut que je fasse des lives. Hein, je suis moins prêt, fait qu'il est content, il est en congé. Puis, il est content que je recommence à bricoler parce que c'est quelque chose que qu'il aime. Je sais pas, là, je mets de l'eau dedans. Pas sûr, c'est une bonne idée. Mais bon, on va voir. Puis mon chum, il speak in English tantôt parce qu'il joue aux jeux vidéo. Fait que c'est peut-être la personne avec qui il joue qui va dire « Coudonc, y a-t-il une folle chez vous? » Puis il va y répondre « Ben oui! » Regardez que de l'eau, ça fait des ballons. Mais c'est plus liquide. Je vous confirme que je vais l'essayer sur ceux qui sont comme brisés. Mais c'est une bonne façon de faire des gouttelettes blanches quand le tube est neuf, quand on vient de le commander, pour s'amuser. Moi, je l'utilise pas en spray parce que ça bouche le conduit, puis tu l'utilises une fois, puis ça a été quand même juste pas trop. Ah, de mettre de l'eau? Pensez-vous que je vais développer de la force à force d'essayer de déboucher mes bouteilles à soir? De toute manière, là, il est pas trop tard. On a le temps. On a le temps. Donc, bon, mes crèmes, elle fit. C'est la même couleur. Tiens, voilà, un petit peu d'irrésistible, un petit peu de gouttelettes. Puis là, je vais essayer ma... Ouais, ça fera pas beau avec le gelato. Donc, je vais prendre celle-là. Pour en mettre un petit peu sur... je veux un verre. Bon, bon, bon. Là, comme je disais, sur le live, j'ai... je suis pas capable de tout retourner voir en les commentaires. Des fois, ça bug. Fait que si vous voulez quelque chose, venez me parler en privé, là, puis... si vous me faites une description, je suis assez pas pire. Je suis meilleure que les DJ d'un bar quand tu leur chantes une toune. Tu sais, là, l'affaire qui fait ça, d'habitude, je suis pas pire. Surtout si c'est en lien avec le live, je vais être capable de te donner des informations. Fait que vous voyez, là, je fais un petit peu de gouttelette blanche, mais ça fait pas un super bel effet. Donc, je vais sécher un petit peu, puis je vais continuer avec... et ouais, il est déjà 3 heures du matin, j'avoue, hein, mais... Oh, madame, elle veut se coucher tard. Quand tu vas venir chez nous, tu n'auras pas le choix avec le décalage de te coucher tard. Je suis insomniaque. C'est ça qui arrive quand on est trop hyperactive. Donc, j'aime bien. C'est sûr que j'ai mis un petit peu de résistible. On a caché le pari, mais... On. Qui a caché? On a caché. On a fait ci. On a fait ça. Je devrais faire des... on va là. On fait ça. C'est ça, hein? C'est ça, mon affaire qui est drôle, là. Oh! Oh, la vie. La vie. Bon, faudrait-tu que
je vous dise que je vais prendre. Mais vous le savez. Connaissez-vous ces petits mots-là? By the way, j'en ai recommandé d'autres. Hein? La petite découpe. Magnifique. Avec des merveilleux titres. Il y en a plusieurs. J'aurais pu. Mais là, celui-là va être juste parfait. Parce que. Ou j'aurais pu prendre du craft, mais ça va trop jouer. Fait que je vais prendre du blanc. Il était déjà découpé. Puis, sinon, on aurait pu, là. On aurait pu prendre, mais il y en a n'importe quoi qu'on peut ajouter, acheter. Des titres. Timor's en fait. Ceux qui scrapent en anglais. Il y a des compagnies québécoises qui en font aussi. Ils sont pas autocollants, je pense. Salut, Brigitte! C'est ça, vous pourriez écrire le titre à la machine, le coller, ceux qui ont la machine de We Are Memories. Puis, c'est ça. Moi, je veux juste mettre des petits titres de la compagnie Lime Citron. J'ai peur que ça soit pas assez sec. En fait, je vais les mettre ici, fait que je vais sécher ici. J'en mettrai pas partout, je crois, ou peut-être un ici. C'est sûr que ma page est pas très épaisse, est pas très structurée. T'sais, pas structurée, mais 3D, mais c'est ce que j'avais le goût de faire aujourd'hui. Hey, j'ai-tu hâte? Qui fait le tournoi Lime Citron? Qui? C'est pour ça que j'ai fait une commande cette semaine parce que j'ai dit que je me préparais pour le tournoi. Hey, by the way, j'ai oublié de m'inscrire. Mais bon, qui le fait? Dis-moi, moi, embarqué, ça va être le fun. J'ai fait mon style concours. Je vais m'amuser dans mes anciens chouchous. Ben, c'est encore mes chouchous, Lime Citron, mais je les prenais moins parce que je bricolais moins et non parce que j'aime pas Lime Citron. Au contraire, tout le monde le sait que c'est ma compagnie québécoise chouchou. Ouais. Mais j'ai oublié de m'inscrire. J'ai dit moi, mais j'ai oublié. Qui? Vicky, Julie, Gwen, ouais! La Miss Fan Club, elle doit le faire aussi. Sûrement. J'essaie de voir, là. Je parle de Lime Citron, mais je me suis dit que ça serait peut-être beau, une affaire de Scrap Fimo. À ajouter, puis de mettre un titre, peut-être. Peut-être juste ici, là. Ce serait beau, hein? Un petit... bon, c'est correct. Que je pense que ça va être lui qui va fitter le plus. Lynn, toi aussi, super! Mais ça va être beau, j'ai trop de pression. Non, on n'a pas trop de pression, Lime Citron, pour s'amuser, gang. Elle le dit à chaque année, hein, c'est pas... Puis même si il y en a plein là qui pensaient... Je sais, dans le temps, là, les gens étaient vraiment surpris de leur score. Il y en a beaucoup de points pour la participation. Le but, c'est de mettre les produits Lime Citron, puis de s'amuser, puis de respecter les consignes. Fait que t'es pas obligé d'être... Sophie, sûrement, je sais que Erika veut le faire aussi. Ah, super! Ouais, c'est ça. Arrêtez de vous mettre de la pression avec le tournoi Lime Citron. C'est un des plus fun tournois au niveau de l'amusement. Bon, lequel fit le plus? Je pense que c'est lui. Oh. Oui, c'est en ligne, Isabelle. Dans le fond, là, elle l'a partagé sur Facebook. Va t'abonner à sa page Lime Citron. Puis, tu vas pouvoir le voir apparaître. Je suis peut-être jamais là. Puis, dans le fond, il faut aller s'inscrire. Il y a un blog juste pour... ce coup-là, juste pour le tournoi. Donc, c'est vraiment trippant. J'ai-tu le goût de m'énerver de même? Non. Je sais même pas, je vais en mettre, pas sûr, j'aime ça. Oui, c'était depuis hier. Oui, c'est Lime Citron, la page. Sarah puis Alex aussi. Ah, oh, yes! Ouais! Non, pour vrai, c'est vraiment un tournoi trippant. Puis, tu sais, ceux qui sont en Europe peuvent se... Ah, peut-être ici. Non. Ouais, non, j'aime plus mon idée. Fait que je suis plus sûre, hein? On dirait que j'hésite. J'hésite, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment trippant. Je sais que je bague avec la pression, c'est que je suis arrivée en quatrième. Ah, mais gars, tu vois...
Quatrième, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Fait que là, t'as pas le choix de te forcer. Écoute, moi, je pense que depuis que j'ai quitté la DT, j'ai jamais participé en tant que participante. Fait que ça va être le fun. J'ai comme un petit thrill. Partir à l'aventure, besoin de vacances. Pensez-vous qu'on a besoin de vacances en ce moment? Oh! Sûrement. Il était une fois partir à l'aventure. Moi. Le tag, il me fatigue, mais... On dirait que ça jure trop. Il est comme trop blanc. J'aime moins ça. Bravo pour la quatrième place. Hey, je suis rendue que je suis. J'ai même plus besoin de Nathalie qui me traduit ça. Nathalie, je viens de te licencier. Ah ah, t'étais pas au courant que je te licenciais. À moins que je prenne... J'essaie de chercher quelque chose qui serait beau pour amener une petite continuité dans mes affaires par email. Mais le tag, c'était moins beau. J'aimais moins ça. Mettre plus petite ou couper en deux. Ouais, mais j'aime pas ça parce qu'elles sont blanches. Puis là, j'ai pas le goût de couper d'autres affaires. Des étiquettes. Oh, peut-être collante. Attendez, vous êtes sur pause. Donnez-moi des suggestions pendant ce temps-là. Il y a beaucoup trop d'affaires dans mon salle de bricot. Dans ma salle. Ça se peut que... Ah, oh, peut-être là. Peut-être. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Quelque chose qui était caché. Allô, enfin, un peu plus léger après une journée de réunion. Oh, ouais. Ouf! Ouais, je sais, c'est brun que ça m'aurait pris, hein? Ben non. Donc, ici, je vais venir m'amuser avec ça. Ça va être juste parfait. Ça aurait été, tu sais, savoir que j'aurais été dans telle couleur, mais je serais, oups, venue m'amuser à me faire des découpes. Mais là, je ne l'ai pas fait. Comme ça, oui, elles sont trop grosses, mais c'est toi la prof à soi. Oh, oui, je sais. Mais la prof, elle écoute pas souvent. Hein, vous me connaissez? J'écoute pas le conseil. Je fais à ma tête de cochon. Puis souvent, ben, ça donne ça. Voilà. Ce sera pas long, j'ai pas terminé. Finalement. Je vais m'amuser comme ça. On va tout aller chez toi. C'est quand ça? Oui, vous viendrez. Ça va me faire plaisir ou vous allez chez Aurélie? Ah ben oui, je t'ai écouté un peu. Mais pas complètement. Je vais le mettre de côté. Puis là. Ouais. On va aller avec ça là. Puis après ça, je vais continuer. Mais je suis pas satisfaite complètement. En fait, oui, vous pouvez. Qui est du taureau? Moi, c'est non, je suis lion. Je suis lion ascendant cancer. Fait que. Ça n'a pas de lien avec écouter personne, je pense. Ben peut-être, on est souvent à notre tête les lions. Je
vais y rajouter quelque chose. Puis après ça, on va y arriver, là. C'est rare que j'y arrive pas. Mais ça peut arriver des fois. Comme ça, je fais dodo avec Stella et Laura. Ah oui, tu peux. Mais peut-être que tu voudrais faire dodo avec Monde parce que Monde, d'après moi, elle est enceinte. Donc, si Monde est enceinte, ça veut dire que il va y avoir des petits bébés bientôt. Chez moi. Ah, bon. Ouh là là. Ça dépend, il y a des bons lions. Puis il y a des lions de fou! Non, pour vrai, je pense que je suis une lion un peu crinquée. Mais bon. Il était une fois partir à l'aventure. Et là, je vais venir rajouter un petit quelque chose ici. Puis là. Puis là... Oui, je sais que tu veux un bébé. Oui, non. Les lions, là, c'est parfait. Parfait, Aurélie. Ça écoute pas grand monde, puis ça fonce dans le tas. Oui, peut-être. Puis, ça protège son monde. Voilà. Puis, il manque un petit quelque chose, là. Ou pas. J'aime moins mes étiquettes. Peux-tu plus me brancher, moi? Brancher. Non. Je vais essayer de trouver un autre truc. Tu sais, mettons là, que j'aurais eu un tampon, ça aurait été beau aussi. Un tampon ou un étang. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, scorpion. Oh boy, une vierge. Non. Non, ma sœur est vierge. Les lions, ils rugissent, oui, mais ils sont doux si on les flatte dans le sens du poil. Ça veut dire que si vous dites comme nous autres, on est content. On est heureux. Mais sinon, on n'est pas content, on réagit. Je cherche quelque chose parce que j'aime moins. C'est sûr que séparé, ça va peut-être être plus beau. J'aime moins ce que ça fait dans le bas, fait que je vais aller trouver quelque chose pour agrémenter le tout. Ça, c'est de l'improvisation, hein? Ouais, je suis allée chercher des étampes. Oh boy! Hey boy, ça doit rouler, Madame Brock, chez toi! Chez toi, je vais prendre du brun. Puis, je vais venir aller mettre un petit peu de texture comme ça. Je vais peut-être jouer et m'amuser. Mais, vous savez que souvent, on a des caractères, mais des fois, non. Il y en a qui croient beaucoup aux horoscopes, mais des fois... Ah, regardez, ça m'énervait. Il manquait un petit peu de... De fil conducteur beurrage. Comme ça, il y a moins de... moments où c'est... plus vide. Qu'est-ce que vous en pensez? As-tu de l'allure? Hey, là, je suis toute perdue. C'est sûr que si Vicky, elle nous dit toutes les horoscopes de sa famille, hein, ils sont beaucoup chez elle. Donc, oui, hein, les étampes ou les tampons, ça fait un petit peu plus de... relief, parce que je trouvais qu'ici, ça faisait bizarre. Donc, je suis venue m'amuser. Puis comme ça, quand je vais découper, je vais être plus satisfaite du résultat. Voilà, puis je vais en mettre encore un petit peu, mais pas trop.
Vous savez qu'en hors journal, là, moi, j'utilise jamais de bloc acrylique parce que je veux garder la texture, puis ça fait jamais ce que je veux, puis ça scrap les affaires. Silencieuse. Hein? Hey, c'est du freestyle, oui. J'aime ça. oui. Je sais, Vicky, mais je sais pas l'horoscope de toutes mes bibittes. Imagine si je savais les horoscopes de toutes mes bibittes. Bon, ça me satisfait pas mal. Le reste. Voyons, Seigneur, je suis en train de me battre avec. Mes étampes. Là, je vais sécher un petit peu. Puis vous savez que je vous ai préparé... Ouais, j'aime pas ça quand c'est net. C'est très rare. C'est rare que quand c'est trop clean, là, je suis capable, mais ça fatigue mon œil. Mais c'est correct. J'aime ça. J'adore les réalisations des autres. Mais moi, je suis pas capable. C'est pas quelque chose que je fais bien. Donc, c'est juste c'est, la page Canva, là, est comme mollasse. Fait que je veux pas trop la briser en la faisant. C'est Coffee de Archival Ink. Moi, je les aime bien. Il y en a beaucoup qui aiment les Versafine aussi. Parce qu'ils font des meilleurs détails. Mais l'Archival Ink, elle va être... elle va bien sécher. Donc, je vais vous montrer... comment je finalise ça avant de faire le tirage? Je vais décoller le tout, puis je les laisse pas coller dans mon journal. Hein. Fait que là, c'est sûr qu'on vient couper. Puis là, moi, j'ai risqué fort. Risqué fort, pas un gros risque. Là. Mais je suis allée mettre un mot qui était coupé. Voilà. Puis ce côté-là, ben, je vais les couper après. Ou si j'avais rien en dessous, j'aurais pu le revirer, mais je vais venir couper. De ce côté-là, c'est parce que c'est encore mou. Du brun! Ouais. Très joli. Fait que tu sais, je viens couper, puis ça paraît plus que je l'avais collé. Ça vient faire une belle continuité. Puis, c'est ça, hein, le canevas, là, il va rester mouillé quand même un petit bout. Puis, je vais venir le placer dans mon cahier. Mais là, comme ça. Ça va être bien installé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on le met dedans. Mais là, désolé pour la page molle. Oui, le café. Hein. Vous savez qu'en mix média, quand on utilise le café, c'est le fun aussi. Je sais plus, je pense que j'étais là. Je pense que j'étais là. Puis, le chaud du coq à l'âne, comme d'habitude, quand on prend les résistibles, ben l'effet lustré reste. Hein. C'est ce qui est intéressant de ces gouttelettes-là. C'est sec, là. Puis, ça vient lustrer. Fait que c'est super beau. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Page molle. Voilà ce que ça donne comme continuité. C'est ça, du hors-journal pour moi. Je sais qu'il y en a qui le font plus en étampe, plus en freestyle. Moi, j'aime qu'il y ait un fil, puis j'aime souvent faire des pages doubles. C'est sûr que ma préférée, c'est elle, mais elle va être peut-être plus belle quand elle va être séchée. Voilà pour mon hors-journal. Es-tu prêt? Es-tu prête? Je vous ai encore traité de gars. Je vais te présenter le prix de cette semaine. Là, je te fais lambiner. Ben non. Je te fais ça tout de suite. Vous savez, hein, mes prix, c'est de générosité. Il y a des choses qui sont plus neuves, moins neuves. Je l'ai dit la dernière fois, sois content de l'avoir, puis sinon, donne-les à tes enfants si tu les aimes pas. Ou à tes petits-fils. Donc voilà, un mini-album. C'est une ancienne collection de Bobonie. Qui est...
J'ai pas le papier qui va avec, par exemple, mais c'est facile de mixer ça. Des cartes de Project Live qu'on peut couper puis adosser de ID Swap, oui. Un petit nom cute as a button, puis des petits, comment on pourrait, des outils ou des choses, il y a un gun, c'est un peu bizarre, hein? Bon, bref, il y a un peu de mélange. Voilà, c'est le prochain tirage que tu vas pouvoir vérifier sur ma page. Ça va me faire un très grand plaisir de te poser deux questions. Tantôt, on s'est un peu parlé. J'hésite à en faire un demain, un samedi ou juste la semaine prochaine. Je pourrais peut-être en faire un samedi puis deux la semaine prochaine. En tout cas, je vais voir un peu comment ça va être. Ouais, des clés, mais c'est pas juste des clés. En tout cas, c'est des outils. Tu pourras un jour nous montrer plus en détail tes pages hors journal, lesquelles? Les anciennes que j'ai, Aurélie? Ou, écoute, j'en ai un paquet. Je te donnerai le lien de mon compte Instagram, c'est sûr que ça fait un petit bout, sinon... sur Pinterest, il doit en avoir un peu aussi de mes trucs ou mon blog, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis rien sur mon blog. Donc, salut Julie! À toi d'abord pour le live. Oui, je vais vérifier puis je vais vous poser des questions, vous choisirez, puis ça va me faire plaisir de vous en faire un prochain live. Alors là-dessus, je vous dis un bye-bye. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous... Salut, Léonore! Je vous rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les faire suite au live. Vous allez pouvoir répondre à mes questions et vous allez pouvoir suivre, me poser des questions en privé. Ça me fait plaisir sur Instagram. Ah! Oui, sur Instagram, sont toutes, là. Mais écoute, je vais aller te parler en privé, Aurélie. Ça va me faire plaisir. En gros, bye-bye!